tous, aujourd'hui, recette pour l'apéro, des feuilletés à la saucisse. Pour ça, il nous faut une pâte feuilletée, des saucisses, un peu de gruyère râpée, et du ketchup ou de la moutarde. Chose très simple, on commence par étaler notre pâte feuilletée et ensuite je la coupe en 4, puis chaque quart que je coupe en 2, et dans ce que j'ai coupé en 2, je reviens recouper en 3. Chose que l'on peut faire avant ou après la découpe, c'est étaler le ketchup. Donc là, je vous montre que les deux sont possibles. Après, peut-être qu'avant la découpe, c'est un peu plus simple. J'étale du ketchup un peu partout. Une fois que c'est fait, je continue tout simplement ma découpe. J'ai fini de découper ma pâte tout simplement et je viens parsemer de fromage râpé. J'ai coupé mes saucisses en 4 et je viens tout simplement prendre un bout et le rouler à l'intérieur de ma pâte. On commence toujours par l'extrémité la plus large et on monte jusqu'à la pointe. Et voici, j'ai fait toute ma pâte. Et ça part tout simplement au four pour 20 minutes à 180 degrés. Et voici, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de vous régaler. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye !